dégagé par Michael Chrétien. L'intelligence de Michael Chrétien qui ne prend pas de risque pour relancer ce ballon, même si Laurent Diot au Messin. Il va falloir résister maintenant, faire preuve d'efficacité défensive, être costaud. Attention, attention. Entrée dans le temps additionnel, au ballon glissé, Métanir. Oh, Romain Métanir, passeur lors de la dernière journée, buteur lors de celle-ci. Et Metz qui revient de nulle part et qui égalise de partout sur le fil. Oh là là, Romain Métanir. On l'attendait peut-être plus du côté de Metz, celui-là. Sur ce très très bon travail, peut-être du meilleur Messin. El Bakuto en deuxième mi-temps encore. Avec ce ballon, ce duel, on voulait des ballons longs, des deuxièmes ballons de la part des Messins. Et le ballon, l'intelligence, la lucidité, cette petite offrande technique de la part d'El Bakuto pour Métanir qui se transforme en buteur et qui vient très certainement offrir ce point du match nul. Quel ballon et quelle application de la part de Métanir. Sixième passe décisive pour Yeni Nbakoto. 8 buts, 14 des 31 buts marqués par cette équipe de Metz. Des 32 buts marqués par cette équipe de Metz viennent de Yeni Nbakoto. Et Romain Métanir qui marque lui son deuxième but cette saison et qui permet, eh bien, à Metz pour le moment de revenir à égalité avec Nancy. Palomino qui dégage.